La France est en train de revoir ses objectifs climatiques et de se doter d'une nouvelle feuille de route pour répondre à ces objectifs, donc la stratégie française énergie-climat. Et la question du financement de cette stratégie va être vraiment cruciale pour assurer sa mise en œuvre, son déploiement, et elle doit être pensée et débattue dès maintenant. Les besoins d'investissements supplémentaires pour justement atteindre ces objectifs climatiques vont être massifs. On est à peu près autour de plus 70 milliards d'euros par an en 2030. Donc il va falloir investir massivement et dès aujourd'hui si on veut être sur la trajectoire. Le financement de cette stratégie va impliquer une mobilisation de tous les acteurs, l'État, les collectivités, les entreprises, les ménages, et la mobilisation aussi de tous les types d'outils économiques, qu'ils soient financiers ou qu'ils soient aussi réglementaires, dans un cadre du coup planifié, coordonné, et avec un objectif évidemment d'efficacité et de justice sociale. Une de nos préconisations transversales et préliminaires est le fait d'adosser une programmation pluriannuelle des finances publiques pour le climat à cette loi de programmation énergie-climat pour s'assurer que la stratégie mise en œuvre soit bien accompagnée nécessairement de financements pluriannuels. Assurer une meilleure efficacité de la dépense publique qui passe notamment par une réduction progressive des dépenses budgétaires et fiscales défavorables au climat et par notamment un meilleur ciblage du bouclier tarifaire. Repenser le rôle de la fiscalité environnementale en reprenant notamment une trajectoire crédible de prix du carbone sous un certain nombre de conditions économiques comme sociales.